Salut les gars, introduction longue mais nécessaire. Le tchac, je reviens encore sur le tchac. Je crois que ça va être la troisième vidéo que je fais sur le tchac. Parce que c'est l'expérience. T'apprends toujours. Tu t'écoutes, tu te corriges. Voilà. T'as des moments où t'as plus le flow, tu vois. Et là, en pas longtemps, j'ai compris que mon tchac était pas nickel. Donc je l'ai retravaillé comme ceci. Et il est propre. Regarde, je le refais un compas normal. C'est un, en fait, le tchac, c'est un jeté de poignet. Il faut se focaliser sur ça. Pour ça que je te fais ça. Il faut que tu penses, jette le poignet, jette le poignet, jette le poignet, rapproche le pouce de tes doigts, et c'est généralement ces deux doigts qui descendent les cordes et un peu celui-là. Mais garde à l'esprit de jeter ces deux doigts, ne pense pas tous les doigts. Pense les deux. Pourquoi je te dis pense les deux? Parce qu'en fait, il faut que tu sois légèrement incliné. Tu vois? Regarde. Regarde, je me mets comme ça. Je sais pas si tu vois là. Regarde. Tu vois? Tu vois? Tu vois là? Ce côté de la main, il n'est pas collé comme ça. Voilà, comme ça. En fait, tu te mets droit au début. Tu as deux choses à penser. Le jeté de poignet et l'inclinaison. Regarde. Là, on va dire que tu es droit. Tu es comme ça. Tu fais ça. Tu te mets comme ça. Tu penses un peu comme ça. Voilà. Là, tu es droit. Tu fais un peu comme ça. Tiens. Incline ton poignet un peu vers l'intérieur. Et voilà. Tchac. 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 Et si tu veux, c'est toute cette partie. C'est tout ça qui bloque les cordes. Toute cette partie-là. Tu vois? Tout ça, c'est ça qui te bloque les cordes. Et toi, tu descends avec ces deux doigts. Et avec la vitesse. Et comment dirais-je? Le fait de jeter son poignet, ça fait un son simultané, ça fait un étouffé. Regarde. Regarde. Parce que je jette le poignet. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le but, c'est de... Avec ces deux doigts, tu descends. Et en même temps... T'inclines. Pas non plus, faut pas abuser à terminer comme ça. C'est pas ça non plus. Non. Mais voilà. Pour pas qu'il sonne. Pour pas qu'il sonne. Bon là, j'ai voulu mal faire, mais j'ai même pas réussi. Tu sais, des fois, quand tu fais le tchac. J'arrive même plus à le faire sonner mal, mais voilà. Le but, c'est ça. Jette ton poignet. Regarde. Jette le poignet. Bon, ça fait 6 minutes, la vidéo elle commence à être longue. Mais je voulais vraiment insister sur ça. C'est tout là, là. C'est tout ça qui bloque. Toute cette partie là. Tout ça. La pomme au niveau du pouce, tu vois. Voilà. Ma façon de le faire. Il y en a plein. Tant que ça sonne, c'est bon.
Mais si je peux te partager mon astuce, si je peux te partager mon astuce, peut-être te mettre comme ça, c'est peut-être pas con. J'aurais dû même commencer comme ça, regarde. Je montre que la main, elle est là, regarde. Tu vois? Voilà. Le fait d'incliner, ça va coller de suite le côté de ton pouce, tu vois, tout ça là, ça va le coller direct aux cordes, regarde. Voilà. Et après tu remontes. Taqué. Qu'on passe l'eau. Comme je jette j'ai la vitesse, voilà les gars, j'espère que ça vous a aidé, entraînez-vous et dans ta routine, par exemple, un petit conseil pour finir, dans ta routine de jeu, par exemple, je sais pas, tous les jours, si tu arrives à jouer une heure, c'est magnifique. Dans l'heure, il faut fractionner. Par exemple, je sais pas moi, un quart d'heure, tu joues ce que tu sais jouer. Un quart d'heure. Après un quart d'heure, tu bloques les cordes et tu fais ça. Tac, et tac. Tu fais ça un quart d'heure, mon ami. En 2-2, tu l'as le tchac. Au moins c'est fini, tu mets de côté, c'est automatisé, c'est propre. Et après tu te concentres sur les accords. Ou autre chose. Moi, en ce moment j'essaye de m'entraîner au trémolo, ben, c'est pareil. Le trémolo, je sais pas le faire, mais comment dirais-je? Un quart d'heure tous les jours, je mets deux accords ou même sans accord et je fais ça. Mais je ferai une vidéo, j'expliquerai. Enfin, je suis qu'au début du trémolo, ça doit faire une semaine que je fais ça. Un quart d'heure tous les jours pour habituer les doigts, pour se faire les doigts, mémoriser avec le cerveau. Enfin voilà. Si t'as plu, le petit j'aime qui fait du bien, le commentaire, n'hésite pas aussi parce que ça. Ben moi, ça me fait plaisir. Si je peux donner des conseils, répondre à des questions, le but de faire de ces vidéos, c'est ça. C'est d'échanger. C'est le partage. Donc, désolé si ça a été un peu long. Je pars encore dans tous les sens parce que ça, c'est la passion. Tu le sais, comme je suis avec la passion, je mélange tout. Mais la vidéo, rappelle-toi, c'est le tchak. Voilà. Tu jettes tes deux doigts, tu rapproches ton pouce, tu inclines pour que ce soit ça qui frotte. Et tu l'as. Tchaké. Tu vois? Allez, à plus les gars.